L'amour se nourrit de l'amour et la haine se nourrit de la haine. Prenez ce thème. L'amour se nourrit de l'amour et la haine se nourrit de la haine. Le Saint-Esprit nous révèle en ce jour, à travers Proverbe 13, verset 20, que celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Celui qui fréquente les sages devient sage. Qui fréquentes-tu? Où vas-tu? Si l'endroit où tu vas est un lieu de perversion, alors tu seras un perverti. Et c'est parce que tu es un perverti que tu vas dans un lieu de perversion. Amen. Qui fréquentes-tu? Avec qui tu marches? Les oiseaux de même plumage volent ensemble. C'est parce qu'il dit, aujourd'hui c'est dimanche. Logiquement, tu devais être avec qui? Tu devais être avec qui logiquement? Avec qui? Avec les justes, avec les saints, dans la communion avec ton Dieu. Mais toi, tu préfères quoi? Rester avec les païens. Celui qui fréquente les justes devient juste. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais toi, qui est-ce que tu fréquentes? Les gens du quartier? En plein dimanche? En plein jour de culte? Est-ce que tu es vraiment un saint de Dieu? Alléluia! Est-ce que tu es vraiment un fils de Dieu? Est-ce que tu es vraiment une fille de Dieu? Alléluia! Il y a un temps où les points doivent être mis sur les i. Parce que l'église de Dieu n'est pas un lieu où on vient pour s'amuser. C'est un lieu de prière. Afin que les fils de Dieu communient véritablement avec leur Dieu. Alléluia! Et quand on sort pour aller dehors, on va pour éclairer le monde. Pour être la lumière du monde. Pour faire du bien au monde. Parce que Dieu nous a revêtus de ses valeurs. Alléluia. Mais quand tu sors de l'église et que tu vas dans le monde, tu es pire que le monde, c'est que tu es un espion dans l'église. Alléluia. Si tu retournes dans le monde pour être ténèbre dans le monde, c'est que tu es un espion dans l'église. Alléluia. Parce que si tu es une lumière dans l'église, tu ne peux qu'être une lumière dehors. Parce que Dieu est la lumière parfaite. Lorsque nous sommes éclairés, nous partons en retour éclairer le monde. Pas pour le distraire, pas pour l'égarer, mais pour le conduire dans la vérité. Je peux avancer? Alléluia! Alléluia! Il dit, allez partout le monde, soyez mes témoins. Allez dire au monde ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Mais quand vous en retournez dans le monde, qu'est-ce que vous dites au monde? Qu'est-ce que vous montrez au monde? Le comportement de Dieu ou le comportement de Satan? Avec qui tu marches? Qui tu fréquentes? Quel est le lieu où tu pries? Qui est ton pasteur? Alléluia! Je peux avancer? Si la vérité n'est pas la boussole dans l'église, alors tu ne consommes que le mensonge et les ténèbres. Cela te garantit à 1000% la perdition. Parce que tu n'as pas connu la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La seule chose qui rend un homme libre, c'est la vérité. Ce n'est pas jeûne et prière qui rend libre, non. C'est la vérité. Mais si tu es dehors, hors de la vérité, tu aimes l'esclavage. Tu aimes l'esclavage. Les choses du monde t'enchaînent et te rendent esclave davantage. Il a dit celui qui a connu la vérité, qui s'en retourne pour se vautrer dehors, celui-là, il n'aura plus de pardon pour lui. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux avancer? Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui fait quoi? Qui s'en détourne pour aller fréquenter les insensés s'en trouve mal. C'est qui l'insensé? C'est celui qui n'a pas la parole de Dieu. L'insensé, c'est le sot. C'est celui qui n'a pas la révélation de Dieu. Celui qui n'a pas la parole. L'amour de Dieu est un insensé. Alléluia. Tu veux voir le bien dans ta vie? Avec qui tu marches? Quel est ton Dieu? Qui est-ce que tu pries? Amen. Amen. J'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au ventre. Ah, ma vie là, je comprends pas. Ça prend rond. Mais qui est-ce que tu fréquentes? Est-ce que quand Dieu t'appelle à son rendez-vous, tu viens? Amen. Tu vas faire 1000 églises pour te demander une délivrance, mais en réalité, tu ne vas prendre que des démons. Chaque
Église te transmettra un démon parce que tu as fui la vérité. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux avancer? Qui est-ce que tu fréquentes? Regardez très bien. Vous allez voir des gens aller d'église en église, de veiller en veiller, de programme de prière en programme de prière. Mais en réalité, ce n'est pas une délivrance que tu recherches. Parce que la délivrance, on la trouve en un seul lieu. Alléluia. C'est en Christ. Mais quelles sont ces églises qui ne te présentent pas Christ et qui te présentent une autre solution? Ce n'est pas un homme de Dieu qui guérit. Ce n'est pas une église qui guérit. Mais c'est le Dieu Tout-Puissant qui guérit par la voix de son Seigneur, de son Fils Jésus. Alléluia. On a dit, on t'a imposé les mains et on a dit Satan sort. Satan est sorti, il t'a quitté. Des fois, tu es tombé. Mais quand on retourne chez toi à la maison, le même démon revient. Mais pourquoi est-ce qu'il revient? Parce que ton cœur, tu ne l'as pas donné à Dieu. Au lieu de courir d'église en église, de veiller en veiller, de programme en programme, donne ton cœur à Dieu. Alléluia. Accepte vraiment Dieu. Accepte sa sagesse. Et tu seras transformé depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Ton problème sera traité de façon définitive. Je n'ai jamais vu un homme qui a faim et qui va de maison en maison pour dire, il faut goûter le repas là. Il faut goûter le repas. Voici mon repas, il faut goûter. Mais si tu as fait goûter ton repas à 10 maisons, il va te rester quoi? Qu'est-ce qui va te rester? Mais ta vie, c'est un repas, c'est un gâteau. Ta vie est une bénédiction. Mais quand tu vas la donner à plusieurs personnes, finalement, il ne te reste rien. Alléluia. Alors, faites attention à la vie précieuse que Dieu vous a donnée. Je peux avancer? Alléluia. L'amour se nourrit de l'amour. La haine se nourrit de la haine. Si tu aimes, mais qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Pour entretenir cet amour, où est-ce que tu te tiens? Pour entretenir cet amour. Parce que si tu n'entretiens pas l'amour, l'amour va mourir. L'amour a besoin de nourriture. Mais est-ce que tu nourris l'amour? Et avec quoi est-ce que tu nourris l'amour? Alléluia. Dieu est amour. Vous le savez parfaitement. Dieu est amour. On va le dire à l'unisson. Dieu est amour. Amen. L'amour se nourrit de l'amour. Donc, l'amour se nourrit de quoi? Alléluia. Mais si l'amour se nourrit de Dieu et que Dieu est la parole, Jean 1, 1 Jean 4:16, et que toi tu fuis Dieu, est-ce que tu es sûr que ton amour va grandir? Est-ce que tu es sûr que ton amour pour Dieu va grandir? Est-ce que tu es sûr que ton amour pour les hommes va grandir? Alléluia. Tu n'aimes pas Dieu. Tu ne peux pas aimer parce que Dieu est amour. Je peux avancer? Nos parents hier avaient des relations stables et solides. Pourquoi? Ils n'allaient pas à l'église, mais ils mettaient en pratique la parole de Dieu. Ils vivaient longtemps. Quand ils se marient, leur mariage est solide. Pourquoi? Parce que ce qu'ils faisaient était basé sur la parole de Dieu. Alléluia. Ils vont dire aux hommes, ne va jamais chercher la femme d'autrui. Ils vont le dire. Mais aujourd'hui, les gens se permettent d'aller chercher la femme d'autrui comme on partait acheter du pain à la boutique. Alléluia. C'est ta femme. C'est pas ta femme. Lui, il va chercher. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais est-ce que tu vas avoir longue vie dans ça? Parce que nos parents nous ont dit, si tu le fais, tu n'auras pas longue vie. Ta vie va se gâcher. Ton travail va se gâcher. Tout va se gâcher dans ta vie. Mais est-ce qu'ils avaient tort? Est-ce qu'ils avaient tort? Ils se sont appuyés sur la parole de Dieu pour le dire. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Ce sont des sources de malédiction. Vous pouvez avancer? Alléluia. L'amour se nourrit de l'amour. Si tu aimes, tu feras ce qu'il faut pour que cet amour ait toujours de quoi à manger, toujours de quoi à boire. Parce que l'homme ne se nourrira pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, là, c'est une nourriture. La nourriture pour nourrir ton amour pour tes enfants, ton amour pour ton mari, ton amour pour la société. Parce que la charité, mais c'est justement l'amour pour la société, l'amour pour les uns et pour les autres. Mais si
tu n'as pas la matière à donner à cet amour, mais elle ne vivra pas. Si elle ne vit pas, elle finira par mourir. C'est l'aigreur qui va t'animer quand tu vois des gens. Alléluia. C'est l'aigreur qui va t'animer quand tu vois ton mari, quand tu vois tes enfants. Tu détestes tes enfants, tu détestes ton mari, tu détestes ton travail, tu détestes la société, tu détestes tout autour de toi parce que tu ne nourris pas l'amour par la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne nourris pas l'amour avec les hommes qui aiment l'amour. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais tu vends des biscuits. Amen. Tu vends du biscuit ou bien tu vends des bananes. Au marché, il y a toujours les tables des gens qui vendent bananes dans le même endroit. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On dit, voici les ferrailleurs. Tu n'as jamais vu un ferrailleur, enfin une banque s'installer parmi les ferrailleurs. N'est-ce pas? Là où il y a les banques, il faut qu'il y ait les banques. Là où il y a les ferrailleurs, il faut qu'il y ait les ferrailleurs. Quand tu vois l'alignement des tailleurs, des couturiers, ces mêmes familles-là, c'est toujours sur le même alignement. Je peux avancer? On dit, voici maison de Sikouji. Et puis tu vois ton habitation venir se mettre dans l'eau. Ça fait bizarre. On dit ici, là, on construit que R plus 1. Et puis toi, tu viens, tu construis R plus 10. Tu es sûr que ça ne va pas se casser un jour? Tu es sûr qu'on ne va pas démolir ça un jour? Parce que tu as enfreint la loi. Les oiseaux de même plumage volent toujours ensemble. Alléluia. Si tu veux que ton amour soit développé, il faut marcher avec les hommes qui entretiennent leur amour. Alléluia. Avec qui tu marches? N'oubliez pas ceci. Si tu marches avec une mauvaise personne, elle finit toujours par te contaminer. Amen. 1 Corinthiens 15, 33. Si tu marches avec une mauvaise personne, elle finit toujours par te contaminer. Je peux avancer? Tu marches avec un drogué, tu seras quoi? Non, tu marches avec un drogué, tu seras quoi? Amen. Amen. Tu marches avec une prostituée, tu seras quoi? Mais c'est simple. Si tu marches avec quelqu'un qui est mauvais, mais tu seras mauvais. Je peux avancer? Je peux avancer? Les gens sont en train de faire leur causerie. Causerie là, c'est rechercher femme des gens. Et toi, tu es assis là-bas. Tu as fini par faire quoi? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? L'amour se nourrit de l'amour. Et il faut être dans la bonne disposition, au bon endroit, au bon endroit pour nourrir cet amour. Amen. Quand vous avez un enfant, un nourrisson, que vous voulez donner à téter ou lui donner à manger, rassurez-vous que l'endroit où vous tenez est un endroit propre. N'est-ce pas? Si l'endroit est mal propre, vous risquez d'infecter l'enfant. Amen. Je peux avancer? Si vous voulez demeurer dans les bonnes dispositions, cherchez là où vous devez demeurer et cherchez à quitter les endroits qui sont potentiellement dangereux pour votre équilibre. Fuyez cet endroit. Regardez le cas de Joseph. Joseph était arrivé chez Potiphar. Genèse 39, verset 12. Genèse 39, verset 12. Je peux avancer? Est-ce qu'on aime la parole? On est découragé? Alléluia. L'église du Dieu vivant doit être propre. Parce que l'église du Dieu vivant est appelée à l'enlèvement. Il dit, ta robe est sale, va la laver. Mais pourquoi il nous a donné une robe blanche et pas une robe noire, pas une robe bleue, pas une robe verte, mais une robe blanche? Parce que Dieu veut nous voir toujours. Je peux avancer? On est découragé? Mais quelle est cette race d'adorateurs qui n'aime pas l'ordre de Dieu, qui n'aime pas la pureté, qui n'aime pas la sanctification, qui n'aime pas la droiture, qui n'aime pas l'amour et qui se plaît dans le désordre? Quelle est cette race d'adorateurs qui se plaît, qui se complaît dans le désordre, dans la saleté? Dieu ne viendra pas y prendre une épouse sale, mais une épouse propre. Alléluia. La crainte de Dieu a quitté l'église. Chacun se met à faire ce qu'il veut, ce qu'il pense être juste. Mais non, Dieu veut que tu nourrisses l'amour. Dieu est amour et il est en toi. Il veut que tu nourrisses l'amour qui est en toi. Que tu nourrisses l'amour qui est en toi. La vertu qui est en toi, elle a besoin de nourriture. Tout comme le corps a besoin de nourriture. Tu manges, tu grossis. Tu manges, ça va. De la même manière que tu manges pour ton corps, il faut ainsi manger pour ton esprit, afin que l'amour qui est déposé en toi par le Saint-Esprit grandisse.
grossissent, se développent. Amen. Amen. Il te faut nourrir cet amour. Genèse 39, verset 12. Écoutez bien, faisons cette lecture. Genèse 39, verset 12. Voici Joseph qui rentre chez Potiphar. Et la femme de Potiphar jette les regards dévastateurs sur Joseph. Le gars là, j'ai tombé sur lui. Alléluia. Amen. Amen. Elle dit, le gars là, je vais tomber sur lui. Je vais le dévorer. Je vais tomber sur lui. Regarde comment il est. Abidjan dit, il est frais. Je vais tomber sur le gars là. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais la femme qui parlait là, c'était quelle femme? C'était une demoiselle. Était-ce une demoiselle? Une femme mariée. Son mari s'appelait Potiphar. Elle était Madame Potiphar. Mais malgré qu'elle soit Madame Potiphar, elle dit l'homme-là, je vais le dévorer. Alléluia. Une prostituée dans la maison de Potiphar. Je peux avancer? L'église de Dieu doit être propre et marcher dans la crainte de Dieu. L'amour que Dieu a déposé dans ton cœur doit être nourri par l'amour. Quand on aime, il y a les choses qu'on ne fait pas. Alléluia. Est-ce que Madame Potiphar aimait-elle son mari? Répondez, on va avancer. Elle n'aimait pas son mari. Alléluia. Parce que si elle aimait son mari Potiphar, elle n'allait jamais tomber sur Joseph. Alléluia. Alléluia. Je peux avancer. On est découragé. Et qu'est-ce que Joseph a fait? Qu'est-ce que Joseph a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Joseph a fait quoi? Genèse 39, verset 12. Joseph a fui. Un garçon qui fuit. On dit si tu es garçon, il faut rester. Mais frère, c'est pas partout où on reste. Il faut fuir. Amen. On dit si tu es garçon, il faut rester. Mon frère, ce que je suis en train de voir là, c'est pas un langage que je dois conjuguer avec toi. Je fuis. Amen. La femme te saisit. Elle dit, tu n'es même pas garçon. Tu n'es même pas garçon. Regarde comment il est. Il n'est même pas garçon. Et puis toi aussi, tu es là. Ah bon? Je suis garçon. Femme des gens. Tu vas être garçon, je suis femme des gens. On est découragé? Vous ne répondez pas bien. Hein? Alléluia. 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 L'amour se nourrit de l'amour. Et la haine se nourrit de la haine. Alléluia. Si elle aimait Potiphar, elle n'allait pas tomber sur Joseph. Mais si elle drague Joseph, si elle insiste à coucher avec lui, ça veut dire en clair qu'elle ne l'aime pas. Alléluia. Pour nourrir cela, elle manifeste une certaine haine. La haine, c'est quoi? Je t'aimais, mais comme tu es comme ça, comme ça, comme ça, alors je m'appuie sur ça pour faire telle chose. La haine se nourrit de la haine. Pour tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Alléluia. Là, Madame Potiphar, elle met dans son esprit, mais mon mari n'est jamais là. Il est trop occupé, n'est-ce pas? Il fallait qu'elle trouve une raison de commencer à draguer Joseph. Alléluia. Il n'est jamais présent. Voilà quelqu'un qui est dans la maison. Il se gaspille. Amen. Je peux avancer? On est découragé? Est-ce qu'on est découragé? La haine se nourrit de la haine. Mais où elle prenait sa force? Elle prenait sa force dans ce que Potiphar ne faisait pas pour elle. La haine se nourrit de la haine. En plus, elle regarde les points faibles de son mari. Elle le hait pour se tourner vers Joseph. Amen. Je peux avancer? Potiphar, il parle trop. Et quand il vient, il dort. En plus, il n'a plus de force. Mais la haine se nourrit de la haine. L'amour se nourrit de l'amour. Si elle mettait à son esprit, c'est vrai, mon mari n'est pas là. C'est qu'il est trop occupé. C'est l'amour qui nourrit l'amour. Mon mari est rentré, mais il a la barbe grisonnante. Il est en train de prendre de l'âge. Mais c'est normal. En plus, il devient de plus en plus beau. L'amour nourrit l'amour. Alléluia. Mais c'est bizarre. Mon mari commence à être courbé. Ça, c'est le poids de l'âge. Vraiment, on a de l'expérience. On vient de loin. Il est encore plus beau lorsqu'il est courbé. L'amour nourrit l'amour. Mais la haine va dire, un vieux comme ça, il est courbé en plus. La haine va nourrir la haine. Je peux avancer? Quand on veut tuer son chien, on dit, il a la rage. Mais quand le chien criait, wow, wow, pour chasser les voleurs, là, tu as oublié ça.
Quand le chien pourchassait les voleurs, là, tu as oublié ça. Alléluia. Quand le chien était ton garde, était ta sécurité, tu as oublié ça. Mais comme tu veux maintenant passer en mode économie, tu veux te débarrasser du chien, alors tu dis la rage. Ou bien, on t'a offert peut-être un peu plus d'argent pour pouvoir le manger, tu estimes qu'il a la rage. Non, l'amour pour ton chien doit rester intact. Alléluia, je peux avancer. Mais s'il a la rage c'est une maladie. Mais il faut le soigner. Il faut le soigner. L'amour se nourrit de l'amour. Et la haine se nourrit de la haine. Quand on veut faire le mal, on voit tout ce qui est mal pour pouvoir s'inspirer et faire le mal. L'amour se nourrit de l'amour et la haine se nourrit de la haine. Je peux avancer. On est découragé. Alléluia. Alors, Joseph, voyant les mains dévastatrices de Madame Potiphar, il dit, mais la femme là, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut détruire mon avenir. Elle veut détruire mon avenir. Moi, d'aller coucher avec elle, une femme mariée. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Il n'a pas voulu se justifier devant elle pour dire non. Madame Potiphar, tu sais que c'est vrai, tu es jolie, je t'apprécie bien aussi, mais d'accord, je vais te faire un seul bisou. Hein? C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que s'il se hasarde à donner un bisou un jour, il va le faire toujours. Alléluia. Ce que tu ne peux pas terminer, il ne faut jamais commencer. Tu peux avancer? Ce que tu ne peux pas terminer, il ne faut jamais commencer. Regardez-moi bien quand je prêche. Ne baissez pas la tête. On est ensemble, on peut avancer. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La maison de Dieu n'est pas une basse-cour, n'est pas un café à mouler, mais c'est un endroit où l'ordre de Dieu doit régner, où la crainte de Dieu doit pouvoir régner. On ne fait pas ce qu'on a envie de faire parce que nous sommes sous la guidance de l'Esprit supérieur, appelé l'Esprit Saint. Si on n'a pas la crainte de Dieu, ça ne sert à rien. J'ai dit, si on n'a pas la crainte de Dieu, ça ne sert à rien. Mais aujourd'hui dans les églises, c'est l'impudicité à outrance, l'impudicité à ciel ouvert, l'adultère à ciel ouvert. Les gens se couchent entre eux. Alléluia. Mais si ça c'est à l'église et dehors, alléluia, on peut avancer. Je veux que la crainte de Dieu habite l'église. Je veux que la crainte de Dieu habite l'église. Je veux que la crainte de Dieu habite l'église. Alléluia. Alléluia. Madame Potiphar, elle a dit à Joseph, viens, je vais coucher avec toi. Mais Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Alléluia. Alléluia. Mais toi, on t'a dit simplement bonjour. Tu es prête à aller. Tu n'es même pas prête à fuir. Tu n'es même pas prêt à fuir. Alléluia. Je peux avancer. Mais ce Joseph-là, il voulait travailler. Parce qu'il travaillait en tant que majordome, n'est-ce pas? Dans la maison de Potiphar. Mais pour un travail, on te dit, il faut coucher. Alléluia. Pour un travail, on te dit, il faut coucher. Et qu'est-ce que tu fais? Ah, je vais aller. Et qu'est-ce que c'est pour un travail? Ça fait rien. Joseph a fait quoi? Il a fui. S'il faille que tu perdes ton travail pour garder la valeur de Dieu en toi, perds le travail et garde la valeur de Dieu en toi. Alléluia. Joseph a fait quoi? Il a accepté de perdre son travail pour garder son honneur avec Dieu. Pour garder sa dignité avec Dieu. Ton patron veut coucher avec toi. Ta patronne veut coucher avec toi. C'est ton collègue qui veut coucher avec toi. Alléluia. Parce qu'on veut te donner un travail. On veut te donner un avantage. On veut te donner un poste. Mais fais comme Joseph et fuis. Mais est-ce que tu as l'Esprit de Dieu en toi pour fuir? Parce qu'il faut que tu aies l'Esprit de Dieu en toi pour fuir. Joseph avait l'Esprit de Dieu en lui. La réaction normale d'un fils de Dieu, c'est de fuir pour ne pas compromettre sa marche avec Dieu. Alléluia. Je peux avancer? Il te dit, si tu ne couches pas, tu perds ton travail. Frère, sœur, perds le travail avec joie que de coucher avec lui avec tristesse. Et vive cela toute ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? On est découragé? L'amour se nourrit de l'amour. Si tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, tu diras, mais attention, je n'irai pas dans ce sens. Si tu aimes ton Dieu,
tu diras, attention, je n'irai pas dans ce sens. Mais si tu dis que ton Dieu ne t'exauce pas, mais qu'est-ce que tu fais pour ne pas que ton Dieu puisse t'exaucer? Si tu dis ton mari ne s'occupe pas de toi, mais qu'est-ce que tu fais pour que ton mari s'occupe de toi? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si tu te nourris de la haine, tu vas enfanter la haine. Si tu te nourris de l'amour, tu vas enfanter l'amour. Qu'est-ce que tu sèmes? La haine ou l'amour? Quelle est ta nourriture? La haine ou l'amour? Amen. 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 Je peux avancer? Joseph a fui. Toi, tu fais quoi? Et puis tu regardes l'homme là dans les yeux. Droit dans les yeux. Tu dis toi-même là même. Tu veux dire quoi même? Tu comptes sur quoi? Amen. Tu comptes sur quoi? Je peux avancer? L'homme de nature est dominateur. L'homme de nature est un prédateur. Que ce soit femme de quelqu'un ou pas femme de quelqu'un, lui cherche. Ça, c'est quand il n'a pas la crainte de Dieu. Mais quand il a la crainte de Dieu, il marche avec les valeurs de Dieu. Il sait qu'il a des lignes rouges. Je peux avancer? Alléluia. Je n'attends pas votre amen fortement. Alléluia. Si l'église est soumise à Dieu, l'église, Dieu la représente par la femme. Parce que si dans l'église, les femmes sont insoumises, les femmes sont adultères, les femmes sont débauchées, c'est à l'image de l'église. Voilà pourquoi quand Dieu parle à l'église, il parle aux femmes. Quand Dieu parle aux femmes, il parle à l'église. Parce que Dieu compare l'église à la femme. Quand vous prenez Éphésiens 5, 22, 23, il dit que la femme soit soumise à l'homme, tout comme l'église est soumise à Christ. Vous voyez la comparaison? Dieu compare l'église à la femme. Donc, de la même manière, la femme est soumise à son mari, de cette même manière, l'église est soumise à Dieu. Mais c'est quoi une femme soumise? C'est une femme docile. C'est quoi une femme docile? C'est une femme qui obéit. Alléluia. Une femme soumise, c'est une femme respectueuse. Une femme respectueuse. Mais de la même manière, l'église doit être respectueuse. De cette même manière, la femme doit être respectueuse. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si dans l'église, les femmes n'obéissent pas à leur mari, elles ne vont pas obéir à Christ. Si dans l'église, les femmes n'obéissent pas à leur mari, elles n'obéiront jamais à Christ. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Amen. Si la femme n'obéit pas à son mari, elle ne peut jamais obéir à Christ. Si elle n'est pas fidèle à son mari, elle ne sera jamais fidèle à Christ. Alléluia. Si elle couche dehors, elle va coucher dehors au niveau spirituel. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Parce que l'homme est le chef de la femme. Parce que Christ est le chef de tout homme. Et Christ et Dieu est le chef de Christ. Pourquoi la femme doit être soumise? Parce qu'elle a un chef. Pourquoi l'homme doit être soumis? Parce qu'il a un chef. Pourquoi Christ doit être soumis? Parce qu'il a un chef. C'est parce que tu es un chef que tu es soumis. Mais si tu n'es pas soumis, en réalité, tu es un rebelle. Tu ne veux pas qu'il y ait au-dessus de toi un chef qui te dise quoi faire et quoi ne pas faire. C'est pourquoi dans l'église, il faut qu'il y ait de l'ordre. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Mais si l'église va dans tous les sens, alors sachez que cette église n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Alléluia. Si un homme perd sa femme toutes sortes de terribles, en réalité, ce n'est pas son mari. Parce que si c'est ton mari, si lui, il est le mari de cette femme, il lui dira ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est l'ordre de Dieu. Parce que c'est un chef. Dans toute entreprise, lorsqu'il y a un chef, il y a un ordre. Et le chef dira, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on ne fait pas. Mais pourquoi quand tu viens à 10 heures au travail, tu as peur? Pourquoi quand tu fais une bêtise dans l'entreprise, tu as peur? On te demande d'explication, tu as peur. C'est parce qu'il y a un chef. C'est parce qu'il y a un chef qu'on demande, on te fait une demande d'explication. C'est parce qu'il y a un chef que tu émages. C'est parce qu'il y a un chef que tu justifies tes absences. Parce qu'il y a un chef. Pour te dire que la société n'est pas une société de désordre. Mais pourquoi voulez-vous que l'église soit une église de désordre? Où on fait tout ce qu'on veut? Alléluia. Non.
Je peux avancer. Dieu veut une église qui marche comme une vraie épouse, avec la crainte de Dieu, obéissant à sa voix. La femme soumise, c'est celle-là qui est respectueuse. Respectueuse vis-à-vis de son mari. Une femme soumise, c'est une femme qui est respectueuse. Pas une femme impolie. Alléluia. Mais Matthieu 19, 9 dit, pour cause d'infidélité, un homme a le droit de répudier une femme. Pour cause d'infidélité. Mais l'infidélité, les gens l'ont réduit qu'à l'acte sexuel. Mais l'infidélité va jusqu'à l'infidélité à la parole. Parce qu'en profondeur, c'est ça qui retient l'attention de Dieu. Chez nous, c'est le sexe, mais c'est Dieu, c'est sa parole. Qui a compris cela? Je reprends. Dieu compare la femme à l'église. Ce qui arrive à la femme, là, c'est ce qui arrive à l'église. Bon, pour qu'un homme puisse répudier une femme, il faut qu'elle soit infidèle. Mais pour que Dieu puisse répudier une église, il faut qu'elle soit aussi infidèle. Mais une église qui est infidèle, c'est une église qui n'obéit pas à la voix de Dieu, qui n'est pas respectueuse aux valeurs de Dieu, des valeurs de Dieu qui n'est pas respectueuse des valeurs de Dieu. Une église qui foule aux pieds les instructions de Dieu est une église infidèle. Qui a compris cela? Je peux avancer? Je peux avancer? Alléluia! Moïse a dit de donner une lettre aux femmes pour les divorcer. Mais ça, c'était la loi de Moïse, n'est-ce pas? Mais quand Jésus vient, il amplifie la loi de Moïse. Il dit non! Ça, c'est quand on l'a surprise en flagrant délit. Ou c'est quand on l'a attrapé en tant que qui a commis l'adultère. Mais moi, je vous dis, alléluia, vous allez répudier une femme pour cause d'infidélité. Il a étendu les motifs pour répudier une femme. Vous avez compris cela? Vous êtes sûr? Il a étendu les motifs pour répudier une femme. Alors que Moïse avait dit simplement, c'est l'acte sexuel quand elle va ailleurs. Mais Jésus-Christ dit non. Si elle désobéit à la parole de Dieu, tu peux la mettre dehors. Tu peux la remercier, la renvoyer chez elle. Ça, c'est la loi de Christ. Je peux avancer? Alléluia. Ton mari vient prier. Tu n'aimes pas prier. Tous les jours, tu viens, tu ne viens pas. Tu viens, tu ne viens pas. Ton mari est là, il prie. Mais toi, tu vas prier ailleurs. Tu ne pries même pas même. Mais un matin, il va venir. Ah, moi, je ne peux plus accepter ça. C'est un motif. Mais Dieu lui donne le droit. Amen. On est découragé? On est découragé? L'amour se nourrit de l'amour. Je veux que ce peuple garde ton esprit, l'amour qui nourrit l'amour. Si tu veux grandir spirituellement, il faut faire des choses qui te nourrissent spirituellement. Un homme qui veut croître spirituellement doit manger la parole, doit manger la prière, doit manger la parole, doit manger la prière. Ces choses-là vont sécuriser ta foi. Tu ne seras plus ballotté. Le diable, quand il vient tourner autour de toi, il voit que tu es en sécurité. Il fuit. Mais tu ne pries pas. Tu ne médites pas. Tu ne viens pas à la prière. Tu n'écoutes pas les messages à la maison. Pour te débarrasser, tu mets like, j'aime, amen. Et puis tu cours. Tu vas passer sur quelqu'un que tu aimes plus. Alléluia. Mais ça, c'est de la débauche spirituelle. On peut avancer. Pour qu'on puisse dire non, il a subi ou elle a subi. Attends, mais like, moi, dit, j'ai subi. Like, amen. Ah, on passe à autre chose. Maintenant, tu écoutes maintenant ce que tu aimes écouter là. Les coachs ou bien les trucs bizarres. Ton esprit est focalisé sur ça. Mais ça te distrait. Et demain, quand on va te dire bonjour, donne-moi ton numéro, tu as ton numéro alors que tu es marié. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Une personne qui ne prie pas, une personne qui ne mange pas la parole est vulnérable. Est vulnérable. L'amour se nourrit de l'amour. Quand tu fais de bonnes choses, ça nourrit ton amour. Mais quand tu fais de mauvaises choses, ça nourrit ta haine pour Dieu. La haine pour Dieu veut dire, tu t'éloignes de plus en plus de Dieu. Tu ne pries pas. Tu ne médites pas. Tu ne viens pas à la prière. Tout ce qui t'intéresse, c'est les choses du monde. Alléluia. 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 On est découragé? Je peux avancer? Dieu veut que ta foi grandisse. Pour qu'elle puisse grandir, il faut la nourrir. Il faut la nourrir. Il faut la nourrir. Si tu ne la nourris pas, elle va mourir. Et tu seras exposé aux choses du monde. Alors que tu es un membre du royaume de Dieu. Tu vis dans un monde à part, celui de Dieu, le royaume de Dieu. Tu ne vis pas dans le monde, alléluia, pour participer aux choses du monde.
qui conduit tout droit vers la géhenne. Mais Dieu t'a appelé à marcher dans sa présence. Vous avez dit, Seigneur, ta présence, j'aime ta présence. Seigneur, j'aime ta présence me suffit, ta présence me fait du bien. Mais la présence de Dieu là, c'est quoi? C'est la prière, c'est la parole, c'est ta présence au culte. Mais c'est quelle présence tu aimes? Alléluia. Tu ne peux pas aimer la présence de Dieu dans, la présence de Dieu dans un bar. Tu es assis dans le bar et puis tu dis, Seigneur, j'aime ta présence dans le bar. Bon, est-ce que tu es sérieux? Alléluia. Où est-ce que tu recherches à nourrir ton amour? L'endroit où tu nourris ton amour est important. Où vas-tu pour nourrir ton amour? Quels sont les endroits que tu fréquentes? Qui tu fréquentes pour que ton amour grandisse? Amen. 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 Alléluia. Alors, frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu n'aime pas partager les hommes. Quand tu as un pied dedans, un pied dehors, Dieu te jette. Amen. Dieu a créé, il a fait le soleil, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il a créé le soleil. Il a créé la lumière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Genèse 1:4, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Mais pourquoi ne les a-t-il pas laissés ensemble, joints, afin que les deux puissent s'amuser ensemble, les deux puissent paraître ensemble, la nuit et en même temps la lumière? Parce que c'est pas possible. Ça s'appelle de l'hybridation. Dieu ne mélange pas la lumière avec les ténèbres, non. Il fait toujours la séparation. Quand Dieu te veut, il te veut. C'est pourquoi quand il vient à toi, il enlève ton cœur, l'ancien cœur. Il enlève ton ancien esprit. Et il place l'esprit de son fils en toi et le cœur de son fils en toi. Alors si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est son fils qui vit en toi. Tu deviens une nouvelle création. Alléluia. Alléluia. Mais comment se fait-il que tu es devenu une nouvelle création et puis tu es encore dans les choses anciennes? Est-ce que tu es vraiment un fils de Dieu? Je peux avancer? Jésus vient. Judas Iscariote aussi vient. Je reprends. Jésus-Christ vient. Judas Iscariote aussi vient. Les deux sont ensemble. Ils prêchent ensemble. Ils chassent les démons ensemble. Ils guérissent les malades ensemble. Ils ressuscitent les morts ensemble. Ils mangent ensemble. Ils boivent ensemble. Mais pourtant, ils n'ont pas la même destinée. On peut marcher ensemble, vivre ensemble, dormir ensemble, boire ensemble et ne pas avoir la même destinée. Alléluia. Dieu ne changera jamais un bois en crocodile. Tu nais bois, tu meurs bois. Tu nais brebis, tu meurs brebis. Je peux avancer? Alléluia. Tu dis non, moi il ne sait pas ce qui m'arrive, mais mon cœur là, je ne sais pas, je ne peux pas changer. Mais si Dieu ne peut pas te changer, c'est Satan qui va te changer. Alléluia. Si Dieu ne peut pas te changer, c'est Satan qui va te changer. Parce que depuis là, tu n'as pas encore montré ta vraie face. Parce que depuis là, tu fais comme si tu es avec Dieu. Mais quand il va venir vraiment t'habiter, tu vas voir qui a mis l'eau dans le coco. Alléluia. Parce que Satan viendra te changer de façon totale. Je peux avancer? Je veux que Dieu te change. Qu'il change ton cœur. Qu'il change ton esprit. Fais que tu sois une nouvelle création. Pour toi, les choses anciennes sont passées. La manière dont tu t'habillais pour partir, là, c'était avant. La manière dont tu trompais, là, c'était avant. Aujourd'hui, quand une fille dit, elle rencontre quelqu'un, elle dit, c'est mon fiancé. Mais tu as, depuis quand toi, tu es fiancé? Alléluia. Depuis quand toi, tu es fiancé? Le Seigneur dit qu'une fille peut aller aux fiançailles lorsque elle est encore vierge. Mais tes parents t'ont dit, reste tranquille, tu ne peux pas. Tu allais tourner partout, tu reviens, tu dis, non, c'est mon fiancé. Quel fiancé? Amen. Alléluia. Parce qu'en profondeur, c'est un déshonneur. C'est un déshonneur que de perdre sa virginité en dehors de son mari. Vos parents, c'est ce qu'il faut inculquer à vos enfants. Éduquez-les selon le Seigneur. Et quand ils grandiront avec les valeurs de Dieu. Mais autour d'eux sont les valeurs du monde. Mais qu'est-ce que vous leur apportez? Déjà à bas âge, vous montrez des choses bizarres à vos enfants. Des feuilletons, des dessins animés où les enfants s'embrassent, où les enfants font l'amour. Et vous acceptez ces bêtises. Vous êtes coupable. Alléluia. Je peux avancer? Je peux avancer! Alléluia. L'amour se nourrit de l'amour. Si tu aimes tes enfants, tu vas leur donner les choses qui prouvent que tu les aimes. Mais tu dis non, j'ai l'argent.
je mets payer abonnement. Je mets toutes sortes de feuilletons. Et puis dans les feuilletons, tu vois les enfants petits, enfants dans feuilletons qui s'embrassent. Tu es mon chéri, tu es mon amoureux, enfant dans feuilletons. Et vous payez ça pour qu'ils puissent regarder. Vous les aimez pas, vous les haïssez. L'amour se nourrit de l'amour. Donnez-leur des choses pour leur éducation. Alléluia. On peut avancer, on est découragé. Amen. Maintenant, si l'enfant dit non, 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 papa, tu le vois, on regarde ça là-bas. Pourquoi tu n'en regardes pas? Papa, tu es méchant. Proverbe 23, 13. Paul y est. Proverbe 23, 13. On peut avancer? On est découragé? Non, si tu aimes la parole, il faut dire fortement, j'aime la parole. Mais on ne t'a même pas entendu. Alléluia! Allons-y rapidement, on va terminer bientôt. Il y a des gens qui commencent à se réjouir. Proverbe 23, 13. Oui. N'épargne pas. N'épargne pas. La correction. Ah? N'épargne pas la correction à qui? À l'enfant. Attends. N'épargne pas la correction à l'enfant. Donc, ne manque pas de corriger l'enfant. Continue, frère. Si tu le frappes. Si tu fais quoi? Si tu le frappes. Si tu le frappes. De la verge. Si tu prends chicotte pour le frapper. Allons-y doucement. Il ne mourra point. Si tu prends chicotte pour le frapper, il ne mourra pas. Donc, Dieu te dit, si ton enfant joue les crabes, pour prendre chicotte pour le chicoter. Il ne va pas mourir dans tes mains. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia! L'amour se nourrit de l'amour. Tu aimes tellement ton enfant? Non, c'est mon bébé, oh, mon papitou, mon choupou, mon chapa, c'est mon doudou. T'es mon tout. Oh. Ah, attends, mais tu sais que je t'aime. Oh. Ah bon? L'enfant dit, donne-moi un gâteau. Je donne gâteau. Donne-moi un chocolat. Chocolat. Je veux, comment on appelle les feuilletons là? Je veux un feuilleton ça. Va prendre abonnement de ça là. Et puis, coup, son gros ventre fait abonnement. Il vient donner à son enfant. Il aime trop son enfant, mais tu ne l'aimes pas. Tu le hais, tu ne l'aimes pas. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi quand tu te demandes de donner le pistolet, tu ne lui donnes pas? Tu seras le premier à être abattu. Parce que tu es indigne d'être un père. On peut avancer? Alléluia. L'amour se nourrit de l'amour. Mais il faut être courageux pour aimer. Il faut être courageux pour prendre des décisions fermes. Ça, il faut être courageux. Joseph a été courageux en fuyant parce qu'il risquait son job, il risquait son poste, il risquait son travail. Mais il a préféré perdre son travail que de perdre son alliance avec Dieu, que de perdre sa relation avec Dieu. Mais vous, qu'est-ce que vous préférez faire? Vous préférez perdre vos relations, votre relation avec Dieu et gagner celle des hommes. Vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux. Alléluia. Je préfère perdre tout. Tout. Et puis tout gagner auprès de Dieu. Que sait-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Que sait-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Frère, quand tu pries Dieu, c'est parce que ton âme a soif de vie éternelle. Je reprends. Quand tu pries Dieu, c'est parce que ton âme a soif de vie éternelle que tu pries Dieu. Beaucoup n'acceptent pas de prier. Pourquoi? Parce que leur âme n'a pas soif de vie éternelle. C'est la gêne qui les appelle. C'est la gêne qui les appelle. Donc, ils font tout pour s'éloigner de tout ce qui peut nourrir leur âme pour aller au ciel. C'est la vérité. Vous appelez quelqu'un une fois, deux fois, trois fois. Non, je me préfère. Laissez la personne là où elle est. Elle n'est pas de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Je peux avancer? On est découragé? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu connaît ses enfants. Quand il les appelle, les enfants viennent naturellement. Il ne les oblige pas à venir. Non, Dieu n'oblige pas ses propres enfants à venir. Quand tu vas à l'école chercher tes enfants là, tu dis, mais toi, viens, forcé, c'est mon enfant, viens. C'est la police qui a venu te chercher. Voleur d'enfants. Alléluia. Quand l'enfant te voit, l'enfant sait que tu es son papa, tu es sa maman, tu es son parent. L'enfant court vers toi parce qu'il sait qui est son père. Mais quand Dieu t'appelle, viens. Il dit, non, moi j'ai autre chose à faire. Mais tu n'es pas, c'est que tu, en fait, ce n'est pas ton père. Tu ne te connais pas en lui. C'est la profondeur. Ton frère, arrête de courir après les uns les autres. Il y a des âmes qui ont soif de Dieu, qui n'ont pas encore rencontré la parole authentique. Allez vers ces âmes, écouteront la voix de Dieu. Car les brebis entendent la voix de Dieu et elles l'écouteront. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Alléluia. Alors, frères, fils et filles de Dieu, nourrissez l'amour par l'amour. Si vous ne nourrissez pas l'amour par l'amour, vous allez nourrir la haine par la haine. Je reprends.
Si vous ne nourrissez pas l'amour par l'amour, vous allez nourrir la haine par la haine. Quand tu vois ton frère, c'est tout ce qui est mauvais qui remonte à la surface. Mais il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais. Finalement, tu commences à le haïr. C'est la haine qui nourrit la haine. Mais quand tu vois ta sœur, et puis tu dis, la sœur là, c'est vrai, elle a tel défaut, mais voilà ce qu'elle fait, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. À force de dire c'est bien, c'est bien, c'est bien, tu commences à l'aimer. Et ton amour pour la personne commence à se développer. Alléluia. Quand tu veux vraiment avoir un amour intense pour ton Dieu, chaque fois, il faut toujours te rapprocher de ton Dieu. Fais tout ce qu'il faut dans l'église pour te rapprocher de ton Dieu. En faisant cela, tu nourris l'amour pour ton Dieu. L'amour pour la parole. L'amour pour la prière. Alléluia. 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 Mais matin, midi, soir, quand tu vois le frère, le faux frère comme ça, il y a comme il est. Surtout le frère qui dit non, l'autre frère là. Tu vas parler du frère là jusqu'à... Tu commences à le haïr. Quand tu le vois là, à l'église, tu le hais. C'est-à-dire qu'il passe à gauche, tu passes à droite. Tellement tu sens qu'il sent mauvais. La haine là, ça te donne de sentir les gens mauvais. Amen. Tu vois la sœur, elle à gauche, tu viens passer à droite. Parce que tu l'as critiqué jusqu'à... Quand tu la vois, tu la hais, tu veux la tuer. Mais comme il y a les gens, tu ne peux pas faire. Sinon, si vous étiez deux, il y a longtemps, tu l'avais étranglé. Alléluia. La haine nourrit la haine. L'amour nourrit l'amour. Dieu vous bénisse richement.